Bonsoir à tous les amis et bienvenue pour ce nouvel apéro du JV que je suis très heureux de passer en votre compagnie. C'est le 88e apéro du JV si je ne dis pas de bêtises. Bonsoir à tous, ce soir nous allons suivre la première conférence gaming de l'année 2024. C'est la développeur direct de Xbox. Bonsoir à tous dans le chat, bonsoir mon Plinks, bonsoir Maxime, bonsoir Slux, bonsoir Attila, bonsoir Reda forcément, vous êtes déjà plus d'une vingtaine en live, manifestez-vous les amis comme à chaque fois, hein. Je sais que c'est début d'année 2024, vous êtes très très sage, un peu trop dans le chat, mais si vous êtes là ce soir, n'hésitez pas à vous manifester pour que je puisse vous dire bonsoir comme il se doit. Et oui, premier apéro JV de l'année, effectivement, vous le savez que les apéros JV maintenant sont réservés à ce genre d'événement lorsqu'il y a des conférences gaming où justement je peux recevoir pas mal de personnes. Donc voilà, très sympa ce décor. Eh bah oui mon Slux, mais ça veut dire quoi Slux? C'est-à-dire que tu viens juste de découvrir l'apéro du JV, la saison 2 ou quoi? Comment vas-tu mon Chris? Bah ça va super moi Attila et toi? Ça va super, à chaque fois qu'on est en live ça va super, vous le savez très bien, mais là en plus pour découvrir les futurs jeux vidéo et en charmante compagnie, ça va encore mieux. Mais du coup, bah c'est l'apéro du JV, donc l'apéro du JV, forcément, on est derrière le bar. Donc c'est parti, on passe derrière le bar, on est ici. C'est le moment, les amis, de vous prendre un petit truc à boire tranquillement, de vous rafraîchir bon, ou de vous réchauffer. Là, on est en hiver, hein, forcément, il fait un petit peu frais. Donc voilà, le casting de ce soir est exceptionnel. Mais tu le dis bien, Plinks, et tu es justement parfaitement dans le temps pour faire une transition parfaite. Regardez, on va les accueillir, ces invités, ils sont là. Alors par contre, ils risquent de tous bugger puisque Discord est en PLS total. Ça fait que freeze. Et donc c'est bien Discord, on a des messages d'erreur de partout. Donc désolé par avance si on a des petits lags. Du coup voilà, mais en tout cas, on va voir que le jeu Mathieu va pré-shot cette fois-ci. Et oui, bah voilà, bah justement, tu le mets en avant. Donc on va commencer directement avec celui qui fait partie du bar. Hein, je le dis, hein, il est tout le temps là, quasiment aux apéros du JV. C'est Mathieu, c'est celui qui nous spoil quand c'est que les jeux vont être reportés ou quoi que ce soit. Comment ça va Mathieu? Écoute, ça va, très content d'être là avec vous et puis salut au chat. Et promis, ce soir, tout a déjà été annoncé, donc je ferai rien liguer. Voilà. On sait pas, on sait jamais. C'est là que tu vas nous dire, ouais, c'est bon, Hellblade va être encore reporté ou un truc comme ça. on va voir. L'autre qui fait aussi partie des meubles, qui est habitué, c'est Thibaut, comment ça va? Ça va et toi? Bonjour tout le monde et ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous montrer, même si on devrait pas avoir trop de surprises, ça va être sympa. Ok, bah écoute, j'ai monté le son des invités puisqu'on me le demandait. Merci Tsubomiki pour ton Prime, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous suivent également. Et on va continuer avec celui qui est un petit peu moins habitué, mais qui commence à devenir habitué, qui commence à installer ses valises dans l'apéro du GV. C'est Maël, comment ça va? Ça va, j'espère que le chat également. Eh ben écoute, ça va, Maël, il est très très bref, hein, très bref, il parle pas trop. Non, mais... Je sais qu'on en a marre de t'entendre, mais quand même, tu as le droit de t'exprimer un petit peu quand même. N'hésite pas. Bah, hâte de découvrir ce petit Xbox Developer Direct, c'est mon premier, j'en avais jamais vu. Ok, très donc, bien. Hâte de voir ce que ça donne. Donc si c'est de la merde, ce sera ta faute. Et donc du coup, on a de nouveau qui nous rejoignent pour la première fois, et on va commencer avec Quentin. Comment ça va Quentin? Bonjour à tous, ça va et vous? Eh ben écoute, ça va super bien, donc pour toi, premier apéro JV, et est-ce que c'est aussi le premier développeur direct? C'est ça, oui, effectivement, c'est le premier apéro du JV et le premier développeur direct. Bon, si c'est nul, ce sera quand même la faute de Maël. et donc du coup, on a également Akko qui est là pour sa première fois. Comment ça va Akko? Ça va super, merci, et bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, effectivement, donc pareil, premier apéro JV, et est-ce que tu avais déjà suivi un Xbox, enfin un développeur direct? Ouais, une ou deux fois, ça m'est arrivé. Ok, très bien. Donc le dernier... Jusqu'à présent. Il y en a eu qu'un? Ah, j'étais persuadé qu'il y en avait eu deux. Oui, c'était l'année dernière, c'est le premier. Ah bah, juste celui de l'année dernière, alors. Je croyais qu'il y en avait eu un autre avant, mais... Ouais, il y en a pas eu deux ou trois après les... C'était quoi qu'ils faisaient, alors, après les E3, etc., quand ils étaient une extension où ils reparlaient des jeux et tout?
C'était le bah, généralement ils faisaient le show, Xbox Game Showcase donc période de l'E3 ouais. Et quelques jours après il y avait le Game Showcase Extended qui reparlait ouais. Des jeux qu'on avait déjà vus okay. Au showcase. Bah, j'étais persuadé que c'était aussi des développeurs directs. Okay, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce soir donc on va avoir 4 jeux normalement, une dizaine de minutes par jeu. Et en fait l'idée c'est d'avoir des petits aperçus etc. Mais aussi beaucoup les développeurs qui s'expriment et qui nous parlent de leur jeu. Donc c'est ça qui rend le format assez intéressant. Les trois en haut qui portent des lunettes, c'est fait exprès ou pas? Là, j'avoue. J'avais pas fait gaffe. Bah non, c'est j'avais pas... Oui, c'est le sponsor c'est de la optique, optique 2000. C'est de la DD. Ben voilà, ça bug au moins. Je sens que t'allais dire une connerie. Du coup, voilà. Bon, voilà, c'est pour vous dire. On sait pas pourquoi Discord est en train de complètement laguer. Donc là, quand nos invités sont en prise. Ils sont de retour. Voilà, ils sont de retour. Donc tu sais quoi? C'est de la discrimination, Mathieu, c'est ça? Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit avant que Discord me censure. Ouais, mais non, mais c'est Discord pas... a peut-être bien fait. Peut-être que inconsciemment dans ma tête, quand j'ai préparé vos caméras, je sais pas, bon, peut-être mon cerveau inconsciemment il a fait. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Dans la dernière fois, c'était quoi? C'était pas les Barbies ou les chauves que j'avais mis tous à un endroit. Mon cerveau il doit faire tu sais, des trucs inconscients, mais non, j'avais pas fait gaffe. Donc, Plinks, pour répondre à ta question, c'est pas fait exprès. Mais voilà, mais en tout cas du coup donc pour expliquer effectivement le Xbox Developer, ça va être vraiment une conférence centrée sur les développeurs. On va commencer avec toi Quentin, quel est donc ce soir en rappel et pareil on rappelle tout de suite que c'est en attente et que dès que ça va commencer, donc là on a un petit décompte, dans 13 minutes on switchera comme à chaque fois et on vous laissera découvrir tout cela en live. Et bien entendu, on en débattra après pour savoir un petit peu ce que l'on retient ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on sait déjà qu'au niveau du Xbox Developer, on a... Oula, mais attends, c'est moi ou c'est hyper zoomé là vous n'avez peut-être pas accès à tout l'écran. Oui, c'est bien ça. Pourquoi ça fait comme ça? J'ai pas compris. Alors attendez. Voilà, je suis en train de vous remettre tout ça. Hop. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas accès à tout. Hop. Tac. Hop. Hop. Je vais peut-être faire... Voilà qui est mieux. Donc là, si je repasse sur le Xbox... Voilà qui est beaucoup mieux, effectivement. Donc voilà, donc on sait que ce soir, déjà, comme l'a dit Thibaut, il n'y aura pas beaucoup de surprises parce que Microsoft nous annonce un petit peu en amont ce qu'il va y avoir. Donc on sait très bien que ce soir on va avoir un jeu de Ninja Theory. Bon, c'est où y a ma gueule, donc je vais me retirer. Voilà, donc c'est le fameux Hellblade Senua Saga. Donc on attend forcément une date de sortie parce que le jeu était prévu pour début 2024. On va avoir le jeu de Machine Games qui est donc le fameux et tant attendu Indiana Jones. On va avoir le jeu de Obsidian Award qui a été annoncé il y a déjà pas mal de temps. Et le jeu de Oxide, que Thibaut, tu vas me rappeler son nom parce que je ne me souviens déjà plus. C'est Ara History Untold. C'est un jeu de gestion stratégie où il faut construire sa ville au fil des civilisations, quoi, en gros. Voilà. Donc, c'est le programme que l'on devrait avoir ce soir. Et on attend de voir qu'il y aura peut-être, selon les rumeurs, peut-être une surprise supplémentaire d'un jeu qui n'a pas été annoncé. Et donc, très bonne question de Maxime. Désolé si ma question est complètement débile, mais pourquoi ils annoncent tout avant l'événement? Eh ben pourquoi? C'est à nous de répondre. C'est à vous de répondre. On n'est pas Xbox, mais après, on imagine que c'est pour éviter les fausses hype, les déceptions, et qu'après, Xbox, ils s'en sont déjà pris pas mal, justement, dans la tronche pour ça. Donc, je pense qu'ils essaient d'être transparents. Et on sait que l'événement durera 48 minutes, il y a à peu près 10 minutes par jeu. Il y aura peut-être la place pour une petite surprise, mais voilà, il ne faut pas avoir non plus des... Et donc ça lag, donc je vais devoir finir des attentes disproportionnées. Et donc c'est voilà, un moyen de modérer la hype et qu'en gros, tout simplement pour pas qu'il y ait sur les réseaux sociaux des vagues de haine en mode mais c'était nul, c'était machin, c'était ci, c'était ça. Donc voilà, j'ai parfaitement continué ta question Thibaut. J'ai vu que t'avais coupé. Voilà, du coup j'ai parfaitement enchaîné. Et donc voilà, c'est pour modérer la hype afin que voilà, sur les réseaux sociaux, il n'y ait pas des vagues de haine en mode mais c'était nul machin. Là, vous savez en fait à quoi vous attendre. Effectivement, si vous attendez le prochain Halo, si vous attendez je sais pas quel jeu, non, ce sera pas ça puisque là ce soir, on va parler uniquement de ces jeux-là. On va commencer par toi Quentin, quelles sont
tes ou ta grande attente de ce soir? Ce sera, pour ma part, ce sera Hellblade 2, que j'attends depuis maintenant 3 ans, puisqu'il aurait dû, ouais, 3 ans, 3 ans. Il aurait dû sortir déjà il y a assez longtemps. Et du coup, c'est vraiment celui-là pour moi que j'attends fortement. Hellblade, effectivement, qui a été annoncé, on le rappelle, en décembre 2019, en même temps que la Xbox Series X, lors des Game Awards, et donc qui se fait attendre depuis effectivement 4 ans, hein, mine de rien, c'est pas rien. Et donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, tous les premiers aperçus qu'on a pu voir étaient très prometteurs, donc c'est plutôt encourageant. Là, on attend forcément, on va pas se mentir, à vraiment une date de sortie du titre. N'hésitez pas dans le chat également à nous dire un petit peu quelles sont vos attentes pour ce soir et quels sont les ou le jeu que vous attendez particulièrement. Pareil pour toi, Akko, quelles seraient tes attentes ou ton jeu que tu attends particulièrement ce soir? Bah, moi, ça va être par rapport à Avowed. Ouais. Vraiment, moi, c'est un jeu qui, quand j'ai vu l'annonce et tout, c'était il y a 3 ans aussi. Commencé à en parler. C'était peut-être en 2020, je crois, si je dis pas de bêtises. E3 2020 ou E3 2021, non, 2020, je crois. Hein. 2020. Ouais, c'est ça. Et puis sur les petites infos qu'ils avaient fait traîner après, franchement, c'est. Moi, il attise ma curiosité, vraiment. Ok, très bien. Après, c'est vrai que Obsidian, on rappelle, hein, Obsidian, pour moi, c'est un petit peu, on va dire, il multiplie les masterclass. Je me souviens pas vraiment d'un jeu Obsidian qui n'a pas été bon. On rappelle, hein, c'est eux qui ont fait Fallout New Vegas, c'est eux qui ont fait South Park, le bâton de la vérité, c'est eux qui ont fait Grounded, qui est très bon, c'est eux qui ont fait Pentiment dernièrement, c'est eux qui ont fait KOTOR, Star Wars KOTOR, donc le KOTOR 2, je crois. KOTOR 1 ou KOTOR 2 j'ai le doute là, mais voilà, en tout cas très bon studio Obsidian, The Outer Worlds également, donc effectivement en général ça frappe, ça tombe toujours bon avec eux. De ton côté Maël, qu'est-ce que tu attends ce soir? J'ai bien envie de voir Hellblade, parce que j'avais, enfin le 2, j'avais regardé des let's play du 1 et j'avais bien aimé. Après, je suis curieux de voir Indiana Jones. Je ne savais pas qu'il y avait un jeu qui était en développement, donc je suis quand même curieux de voir ce que ça donnait de ça. Et franchement, les autres, je connais juste de nom. Je ne sais même pas c'est quoi le but, je ne sais même pas c'est quoi le gameplay et de ça. Donc là, ça sera pure découverte et j'espère que ce sera des découvertes qui seront positives. Ok. C'est vrai que Hellblade est très impressionnant. Ils l'ont encore montré au Game Awards, si je ne dis pas de bêtises. Non. On l'a vu récemment. Si, c'est au Game Awards. Au Game Awards. Voilà, c'est extrêmement impressionnant. Je conseille à tout le monde de faire le premier pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce que c'est vraiment une expérience. De toute façon, nous, on le fera sur la chaîne Twitch juste avant la sortie du 2, parce que moi, je l'ai fait, mais il y a déjà pas mal de temps. Donc, on se le refera. En plus, il n'est pas spécialement long, mais on se le refera juste avant la sortie du 2 pour pouvoir un peu se remettre dans le bain. Mais c'est vrai que Hellblade, ça fait partie des attentes. Et merci beaucoup, FuryGMS, pour le follow. De ton côté, Thibaut, quelles sont ton ou tes attentes pour ce soir? Moi, je vais dire Indiana Jones. Donc voilà, c'est fait par le studio qui fait Wolfenstein. Donc voilà, généralement toujours d'excellents jeux. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont traiter Indiana Jones. Également curieux pour Avowed, parce que c'est un RPG et j'aime beaucoup ce genre de jeu. Donc voilà. Et puis bon, Hellblade pour la claque graphique, on s'imagine qu'on va prendre. Normalement, on va connaître la date de sortie. Il y a des rumeurs qui disent que ce serait le 21 mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on devrait voir tout ça, j'ai hâte. C'est vrai que bon, pour moi, c'est indispensable là, la date de sortie. On sait maintenant, ils n'ont pas énormément accéléré la communication autour du jeu, mais on sent qu'au cours de ces derniers mois, dès qu'il y a un événement, on y voit un petit trailer ou un petit gameplay. Ils l'ont annoncé pour premier semestre de l'année 2024. Donc là, effectivement, s'il n'y a pas de date de sortie, ça ferait quand même un petit peu tâche. Et c'est vrai que Indiana Jones, on va y revenir parce que je sais que c'est l'attente de Mathieu. Est-ce que tu as que cela ou plusieurs attentes pour ce soir? Bah, Indiana Jones en priorité, évidemment, mais j'attends aussi beaucoup Hellblade 2. Donc pareil, j'espère une date de sortie maintenant, parce que c'est vrai que là, le marketing commence à être très très long. Ça a mis du temps à se montrer. On a eu le premier vrai gameplay, trailer de gameplay au Game Awards récemment. Donc là, maintenant, prochaine étape, c'est date de sortie, et on l'espère sortie en 2024. Ouais, ça pour ça, moi, j'ai aucun doute. Je pense vraiment avant l'été. Je le vois vraiment avant l'été, avril-mai, moi aussi. Et merci beaucoup, Parisi. Un live très sympa. Ben, merci beaucoup, Parisi. Merci à toi. Et n'hésitez pas aussi dans le chat, hein, dites-nous, j'ai vu Plinks, il attend Indiana Jones. Dites-nous un petit peu dans le chat les jeux
le ou les jeux que vous attendez ce soir. C'est vrai que moi j'ai une grande attente pour Hellblade parce que j'avais adoré le premier. Awoud, de ce que j'ai vu pour moi, c'est pas trop mon genre de jeu, mais effectivement, comme c'est Obsidian, j'en attends quand même de voir. Mais c'est vrai que Indiana Jones, grosse attente sur Indiana Jones. Qu'est-ce que l'on sait à ce jour justement sur ce jeu Indiana Jones? Est-ce que, parce que comme tu l'as dit Thibaut, c'est les équipes de Wolfenstein, eux, ils font uniquement, pratiquement des jeux FPS, mais là apparemment ce Indiana Jones ne serait pas en FPS. Oui, après, pour l'instant, en fait, on sait quasiment rien, parce qu'on a eu un seul teaser et c'était il y a 3 ans. Donc, On peut revoir le teaser si vous voulez. Hein. Qui montre pas grand chose, ça montrait juste des accessoires d'Indiana Jones, c'est pour dire qu'il y a un jeu Indiana Jones. Voilà. Donc j'avoue que pour l'instant, on est vraiment dans le flou. Quoi. Après, il y avait quand même des, potentiellement, on le découvrira ce soir, mais des indices déjà sur l'année du jeu, ça serait 1937, parce qu'il y a un passeport qui indiquait cette année-là. Et puis, on a aussi potentiellement le nom qui a leaké récemment, c'est The Great Circle ou quelque chose comme ça. Et justement, dans le teaser, on avait un livre, voilà, Ancien Circle. Donc, ça serait potentiellement par rapport à l'artefact du jeu ou en tout cas la chose que recherche Indy dans le jeu. Mais rien de tout ça n'a été confirmé. Et aussi, ce qu'on peut se poser comme question, même si je pense que la réponse est évidente, on ne sait pas encore. Je ne sais pas si ça a été confirmé qu'il serait exclusif, si peut-être. Non, je ne crois pas que ça a été. Parce qu'il faut savoir que l'annonce remontait avant le rachat de Bethesda par Microsoft. Mais bon, vu qu'il est ça là. Ça n'a pas été la toute là, première annonce après le rachat. Directement après. Je crois. Hein. Je ne veux pas dire bêtises. Bah attends, c'est simple. Là, le teaser... Début 2022, je crois, le teaser, non? Ouais, non, 2021. Non, 2021, janvier 2021. Ah, 2021, ok, ouais. 12 janvier 2021, et il me semble que Bethesda a été racheté en septembre 2020. Non? Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le rachat... rachat... Bethesda, c'était... Je crois que c'était en octobre 2021, donc Indiana Jones avait été annoncé avant. Donc c'est bon. Je crois que c'est 2020. Hein. Mais ça n'a pas été confirmé. C'est septembre 2020 le rachat. Septembre 2020. 2020 ? Eh oui, septembre 2020 le rachat. Donc voilà, c'est effectivement le tout premier jeu. Et on va voir le teaser tout de suite les amis, qui dure 30 secondes. Hein. Qui dure 30 secondes avec effectivement voilà. La petite musique, les passeports, les... Voilà, faut pas en demander trop, on n'a pas grand chose. Mais du coup, effectivement, c'était la toute première annonce, grosse annonce, après le rachat de Bethesda. Et merci mon Gif, bienvenue à toi mon Gif, et merci mon Gugnard qui sont là aussi, merci à vous. Est-ce que c'est lié au film? Ben là encore, comme on l'a dit, on ne sait pas. On devrait en apprendre beaucoup, beaucoup ce soir. Et maintenant, les amis, même dans une minute sur RD, on est là. Dans 1:18:15, ça devrait commencer. Aurons-nous des nouvelles de Microsoft Flight Simulator 2024? Non. Enfin, peut-être que c'est la surprise en plus. Mais non, parce qu'en plus de cela, on rappelle que là, c'est vraiment centré sur les développeurs Xbox et que Microsoft Flight Simulator est développé par Asobo, qui n'est pas, pour le moment, un studio Xbox Game Studio. Donc voilà, est-ce que vous voulez rajouter des choses ou quoi que ce soit sur ces attentes-là? Les amis. Après, si je dis pas de bêtises, le jeu de Oxide, là, le jeu de gestion, c'est pareil, c'est pas, ça appartient pas à Microsoft. Donc, Oxide, effectivement. Voilà. Dans les faits, on pourrait voir Microsoft Flight Simulator, mais je pense pas, à mon avis, ils l'auraient annoncé s'il avait été là, parce qu'ils sont assez transparents. Donc, Oui, et puis c'est un assez gros jeu. Faire une surprise dessus, le jeu est déjà sorti et tout, donc je pense qu'il n'y a plus de raison de faire une surprise sur ça. Quoi. Et puis, c'est un nouveau jeu, c'est un nouveau Microsoft Flight Simulator cette année. Microsoft Flight Simulator 2024 doit sortir cette année aussi. Après, ils ont peut-être fait des choix, on va dire, stratégiques par rapport à ce qu'ils montrent, mais normalement, même Indiana Jones, qui n'a aucune période date de sortie, devrait sortir cette année. Effectivement, ça, c'est une information importante de la part de Thibaut. Et les amis, sur cela, eh ben, ça va commencer. Et ça commence même. Ça commence. Bon, on va avoir du jeu PEGI 18, hein, au cas où vous ne l'aurez pas compris.
oui, d'accord, ça commence comme ça direct. Ah oui, c'est vraiment un truc centré sur les développeurs. Ouais, je pensais vraiment qu'il allait avoir. Je sais pas s'il y aura une surprise, mais en tout cas, dans le début, là, ils annoncent vraiment 4 studios, 4 jeux. Bientôt sur Xbox. Mais c'est pas que des exclusivités Xbox, on est d'accord? Alors, si, si. Ah si, ok. Enfin, Xbox, PC, quoi, du coup, ça, c'est... Oui, voilà. Et si, c'est que des exclus, normalement. Ok. On va voir Todd Howard, ouais. Après Starfield, ouais. En gros, on pourrait peut-être voir l'extension de Starfield qui doit sortir cette année aussi. C'est pas faux. Et on va commencer par quoi? Ah, par Oxide, ce serait quand même... c'est le plus... Obsidian. Ok. J'aime beaucoup en tout cas la DA et comment ils ont... C'est un super format, franchement. J'aime trop comment c'est filmé et tout. C'est... Ouais. Ouais, déjà, là, je trouve que c'est super bien fait. Oh là, c'est des cracks Obsidian, je vous le dis moi. C'est un... Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the Living Lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the Living Lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay. Oh là là, Fallout New Vegas. Faites-nous un remake s'il vous plaît. Ou un 2. Ah, ce serait pas impossible quand tu sais qu'il y a des rumeurs pour un remake d'Oblivion déjà de Bethesda, donc peut-être qu'ils vont ressortir d'anciens RPG. Ce serait bien. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Je connais, c'est Hogwarts Legacy, ça. Here to talk more about its combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. C'est moi ou le jeu est déjà un peu plus beau que ce qu'ils avaient montré la dernière fois? Ouais, mais pas aussi beau que dans le premier teaser en tout cas. Ouais, mais je sais pas, là ça me rassure déjà davantage par rapport à ce qu'ils avaient montré. Ça a l'air mou. Ça paraît hein. Plus fin, plus. Ça a l'air... Obsidian, ils font rarement des grosses claques graphiques, hein, mais c'est toujours le gameplay et toutes les quêtes qu'ils proposent qui sont cool. Après, c'est joli quoi, ça a une patte. C'est agréable à regarder, ouais. Ça a l'air mou. Regarde comment ça a l'air mou. Je les trouve. Je sais pas c'est qui a dit que ça avait l'air mou, mais moi je trouve que ça a l'air mollasson. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly. Après, il y a plusieurs manières de combattre, alors ça dépend peut-être. Bon, puis sur le combat rapproché, c'est excellent. Bah ouais, sur le combat rapproché. C'est vrai que les ennemis ont pas l'air très réactifs quand même. Bah ouais. Ouais, même regarde la façon dont l'épée, il met le coup d'épée, il est hyper loin le coup d'épée. Bah ouais. Ouais, il y a un ralenti. Le combat à distance, il est, je trouve, déjà mieux. Oh, mais qu'est-ce qui râle alors? Dans le chat, est-ce que vous trouvez que les combats ont l'air mous ou pas? On dirait un jeu comme dans les pubs YouTube. Oh, coup dur. Oh, faut pas abuser quand même. L'action de Obsidian est de baisser de 15%. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Moi, ça me parle bien. Il y a des airs un peu de Skyrim, d'ailleurs. J'aime bien. Manu, Kiri, Naoki, and me.
Ouais, justement, moi, ça, j'arrive pas à accrocher. Hein. En fait, c'est le côté fantastique qui ça prend jamais sur moi, quoi. Ah, je sais pas, moi, il m'attire pas. Après, depuis son annonce, il m'attire pas. Aussi, mais ouais. Bon, l'avantage, c'est que Game Pass, donc je testerai quand même pour la forme, on sait jamais. Ah, il y aura beaucoup un système de choix et tout, comme ils font dans The Outer Worlds. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone. Au niveau des vêtements aussi, sur l'aspect visuel, je trouve que c'est vraiment très très limite. Non, je suis pas non plus transcendé par. Après, je suis pas persuadé que ce soit un jeu à très très gros budget. Bah, quand même. Non, et après, enfin, les graphismes ne font pas tout, hein, faut pas. Mais c'est, ça peut rester un très bon jeu, mais c'est vrai que pour l'instant, sur l'aspect visuel et gameplay, je trouve que c'est. Ça me tente pas trop, j'avoue. Après, je pense qu'il y a quand même un certain budget, parce que ça fait déjà des années qu'il a annoncé, qu'il est en développement, donc je pense qu'il y a quand même. Ouais, mais Obsidian, c'est pas un studio gigantesque, et je serais pas étonné que le projet ait été lancé avant le rachat par Xbox. Donc si c'est un truc pris en cours de route, tu sais, c'est comme The Outer Worlds, c'était pas un gros gros AAA non plus. C'est pas faux. Mais après aussi, faut pas se fier, je pense, à l'année où ça a été annoncé, parce que c'était l'époque où il y avait plein de jeux qui étaient annoncés alors qu'ils n'existaient même pas encore. Donc, Je crois que Obsidian n'était pas encore acheté, je suis pas sûr. Ce serait avant 2020. Obsidian n'a pas été racheté en 2020, si, ça a été plus tard. Si, c'était 2020. Et je crois qu'il a été annoncé alors que c'était déjà, ça avait, le studio avait déjà été racheté par Xbox. Hein, oui, mais après, parce que Obsidian ont été rachetés en 2017 ou 2018. Hein. Ah oui, oui, il a été annoncé en 2020, il me semble, le jeu. Après, le lore a l'air cool, mais. Ouais, 2018, oui, en effet. Le lore a l'air cool, mais un peu comme le dit Axeman, on a un peu l'impression que c'est du vu et revu, tu vois. Par contre, je le trouve assez inégal sur les environnements. Ouais. Il y en a que je trouve magnifiques et il y en a d'autres qui ont l'air un peu moins soignés. Après, on va pas se mentir. Comme dans tous les jeux, tout ce qui est végétation est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus facile. Pour le rendu, quoi, qu'un environnement urbain, quoi. Moi, j'avoue, j'ai assez confiance en Obsidian, comme tu l'as dit, Chris. Ils ont quand même jamais fait de mauvais jeux, donc je suis pas plus inquiet que ça. Je pense que le contenu en lui-même sera plaisant. Moi, c'est vraiment l'univers, en fait, tout ce qui est fantastique, etc. Ça prend jamais sur moi, donc ce que je vois là, en fait, j'ai envie de le découvrir, mais je sais que ça. Comme l'a dit Mathieu, sera sur Game Pass, je le ferai. Mais je pense pas que je vais arriver à vraiment me. Submerger dedans. Ouais. Cet automne. On le savait la date ? Non, non. Je sais plus. Non, pas encore. Donc, fin 2024. Donc déjà, sur la communication, c'est ça qu'il avait l'air vraiment pas mal. Et puis, tu vois que le niveau graphisme, il y avait quand même une différence entre ce qu'ils avaient communiqué et là. Bah après là c'est des images, on est d'accord, c'est des images de développement, enfin pendant le développement. Vraiment très classe l'artwork. Hein. Il doit y avoir... Cet automne, automne. Ouais. Ok, bon fin d'année quoi. Ouais. Ouais. Ok, bon bah Je pense que ça veut bien dire qu'Hellblade ce sera pas fin d'année. Non, moi Hellblade je le vois bien. Ouais, les rumeurs disent 21 mai, donc c'est quasiment certain. Donc. Ah ben on va être fixé, c'est maintenant. Bah Indiana Jones, ils vont se le garder pour la fin, je pense. Ouais. Oui, bah c'est... Bah oui, c'est plus attendu. C'est vrai qu'il termine avec Ara, je pense. Bah, Ninja Theory, c'est des cracks aussi. Hein. On parlait d'Obsidian, mais Ninja Theory aussi. Hein. On rappelle qu'il travaillait aussi sur Hellblade et sur un autre jeu. Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in the final months of development on Senua's Saga Hellblade 2. Je savais pas qu'ils étaient au Royaume-Uni. Ah, je pensais que c'était aux États-Unis aussi, ouais. Ouais. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Hein. Attends, une expérience plus courte. Le premier était déjà pas très long. Hein. Après, je pense que c'est pas le genre de jeu qui doit durer trop longtemps parce que sinon ça devient répétitif.
Je pense. Ouais. Et puis vu que ça traite de sujets lourds, je sais pas, se taper 30 heures sur les problèmes psychologiques et tout. Bon. Ouais, mais bon, le premier fait déjà, on va dire, allez, une dizaine d'heures pour faire 100%. Là, si c'est un jeu que t'attends depuis 5 ans et que le jeu tu finis en 6 heures, ça va gueuler. Hein. Bon, peut-être pas en 6 heures quand même, mais... Et même si c'est 6 heures, si c'est 6 heures qui sont excellentes, moi oui. Je vois pas où est le problème, tu vois. Mais regarde, The Order, il était excellent, il s'était fait défoncer parce qu'il se finit en 7 heures, quoi. Après, The Order, il y avait pas trop de gameplay quand même, mais... C'est pas faux. Bah après, là, ils ont vraiment axé sur la narration aussi, hein. Autant bien... C'est une proposition, après, après voilà, il y a toujours la proposition du fait qu'il est dans le Game Pass, donc s'il dure que 6 heures, il te revient au même prix. Oui. C'est-à-dire que tu caques pas non oui, plus oui, c'est vrai. Les 70 boules dessus. Quoi. Mais après, Ninja Theory, ils ont rarement fait des jeux extrêmement longs aussi. Hein. C'est pas faux. Je crois pas que ce soit un si gros studio que ça, en plus. And which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Ouais, c'est un studio qui serait qu'à peu près de 130 personnes, donc tu fais pas un méga jeu comme quand t'as 500 devs dessus, quoi. Oui, c'est sûr, mais bon, quand même... Quand je regarde déjà au premier abord, les résultats sont là. Voilà, tu vois, apparemment, le premier Hellblade, c'est entre 6 et 8 heures. Donc, s'il est plus court... Et encore, ça sert le faisant à 100%, hein, si tu fais que vraiment le... Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis. Enfin, moi je me souviens, le let's play que j'avais regardé, j'ai pas souvenir que c'était aussi long. Hein. Après, c'est, si l'histoire est compacte sur 6-8 heures et qu'elle est forte et que vraiment oui, oui. Ça, on voit vraiment du lourd, pourquoi pas. A voir, ouais. Oui, c'est sûr, je préfère avoir 6 très très bonnes heures que 10 heures moyennes. Hein. Et sachant que le premier était quand même masterclass, j'ai pas trop de soucis. Par contre, il a l'air vraiment dark. Hein. Jusque le premier, je trouve. Enfin, je sais. Ouais, j'ai l'impression aussi. Hein. Violent aussi, enfin le premier était déjà bien violent, mais là je trouve que c'est. Je sais pas, je trouve que c'est plus. Planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to. Je pense que la proposition du jeu, ce sera vraiment une proposition technique et narrative avant de proposer oui. Une longue expérience. Oui, niveau gameplay, faudra pas s'attendre. Ouais, je pense qu'il y a un vrai parti pris sur le message et la claque graphique. Ah, tu vois, il est très différent du premier. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just. Je sens que psychologiquement, il va être intense. Hein. Mmh. Et puis tu vois, tu sais, c'est pas un jeu pour tout le monde. Oui, oui. Vu les thèmes que ça traite et tout, je sais pas, proposer 20 heures ou 30 heures là-dessus. C'est pas faux. Ça me semble trop. Ça serait beaucoup trop. Même 10 heures, faut déjà réussir à les tenir, ouais, je pense. Et puis tu sais, c'est comme une attraction à Disneyland. Je veux dire, tu prends Space Mountain, tu vas pas passer 30 minutes dans Space Mountain parce que t'es lessivé après derrière. Pourquoi pas ? Là, pourquoi pas ? C'est pareil. Oui, c'est vrai que les thèmes abordés. Par contre, le jeu, techniquement, il est waouh quoi. Bah, graphiquement, c'est un film. Il est magnifique. C'est un film. Et encore, la Twitch, c'est du 1080p quoi. Oui, oui. Sur Twitch. Ouais. J'imagine pas en 4K. Ouais, encore c'est de la 1080p, mais ça saccade énormément et tout ça sur Switch. En plus, faut pas oublier que pour ceux qui regardent le live de Chris, c'est un live d'un live, donc oui, en fait, derrière t'as une micro perte de qualité. Et coucou, donc, c'est vrai que in-game, ça vu ce que déjà ce qu'on vient de voir, ça reste quand même d'envoyer sur l'aspect visuel. Ah non, mais je pense, pense qu'on est pas prêt. Le feed YouTube est en 4K, donc si vous voulez aller voir. Enfin, vous irez voir après le live hein, en replay, hein. Thibaut, oui, il fout pas la merde. Hein. Vous pouvez le mettre à côté, vous pouvez le mettre à côté, c'est bon. Hein. Il me fout la merde lui. Non, j'ai très très hâte de LB2. Hein. Comment ça va Aurélie ? J'ai vraiment vraiment hâte. Les musiques et l'ambiance sonore du premier étaient complètement ma boule, faut vraiment le faire au casque. Specialize around you and it's a very beautiful experience.
Ah, les chuchotements, je m'en rappelle, c'est incroyable. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. C'est tellement vrai ça. Et les chuchotements, tu n'importe quoi, tu le fais côté, tu sais que c'est Hellblade. Which for me is a personal privilege because I really admire them. Ah, rien que musique, t'entends les 10 premières secondes de la musique, direct tu dis, tu sais de quel jeu, si tu connais le jeu, tu sais que c'est du quel jeu, ça vient, je sais pas parler. Ah, y'a du mal, hein. Ouais, c'est les émotions, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça te rentre autour du micro et tout, quoi. Du coup, slow day. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team Allez, la date, là. Are putting into Senua's saga. 21 mai, je vous le dis. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on. Yes, 21 mai. 21st. 21 mai, c'était donc réel. Hâte. Franchement, très stylé, ouais. Ouais, franchement, J'aime bien d'ailleurs les moments où il montre un peu comment ça marche, enfin les séances de capture motion, ouais. Comment ils font pour faire certains sons, genre tourner autour du micro et tout ça j'aurais jamais pensé. La surprise, il y a un cinquième jeu, Square Enix. Et qu'est-ce que c'est? Oh non, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est Square Enix, ouais, c'est le la saga non, Mana. Non, ça a été annoncé au Game Awards. Visions of Mana, je crois, non. J'ai rien. Ouais, ça, en tout cas, ça montre bien le partenariat entre Xbox et Square Enix, ouais. Avec Final Fantasy XIV, là maintenant avec ça. Non, mais 14, c'est Play. Oui, mais il va arriver sur Xbox, là. Ah. Pour porter les jeux Square Enix sur Xbox, quoi, vu qu'ils avaient un peu de retard et que PlayStation avait souvent des excuses. Bon, ça va pas se mentir, Vision of Mana c'est un très gros coup, mais moi je suis pas du tout client. Sans les JRPG, j'ai vraiment du mal. Hein. Ouais, j'aime bien la DA déjà. Après, Secret of Mana, c'est un monument du JRPG, hein. Moi, Imaginez s'ils ont chopé l'exclu, ou exclu temporaire, ça a de la tronche, même si c'est pas non plus aussi gros que Final Fantasy. De toute façon, si là, il est dans celui-là, c'est qu'il sera au moins dans le Game Pass. Oui, je pense. Ouais. Déjà, ça, c'est un beau coup. Ouais. Ouais. Bon, après, je reste convaincu que c'est quand même un peu de niche, quoi. Je pense que Visions of Mana soit le truc qui fasse raquer les gens pour le Game Pass. Non, à part si vraiment, ouais, t'es fan de JRPG et tout. Ouais. Ça a l'air d'être un truc vraiment à l'ancienne, quoi, en plus. Je suis pas du tout JRPG, j'y arrive pas, moi. JRPG, je trouve. Ça fait un moment que j'avais pas vu des jeux comme ça. Enfin, je trouve ça différent à la façon. Moi, ça me rappelle beaucoup Dragon Quest, les derniers Dragon oui, Quest. Oui, c'est vrai. Ça ressemble pas mal. Ah, c'est vrai. Vrai. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが
On dirait les Digimon. ドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズオブマナに落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。 J'avoue, on dirait vraiment des Pokémon certains trucs. À certains moments, ouais, genre le petit champignon là, je suis attends. Ouais. Ah, c'est Krabby ça. Krabby, Miguel. Même le hérisson et tout, ça ressemble trop. Ah mais c'est Bustamon. C'est très inspiré par Pokémon. J'avoue. The, The Pokémon Company vite fait aller porter plainte pour droit d'auteur et tout. Il y en a plein qui ressemblent à Pokémon, ça, c'est ouf. パトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズにはもう、全然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 、
Après, il reste 20 minutes, hein, donc on a même le temps, plus de 20 minutes, donc il y a peut-être le temps pour une deuxième surprise. Hein. Ouais, Discord, il est en PLS. Ah, il y a moyen. Ouais, parce que là, du coup, ça fait moyen qu'il remette ça avant Indiana Jones. Hello, and welcome to Oxide Games. Oh, je dois avouer que Oxide, ça me dit rien. Ils ont fait quoi comme, comme jeu? Mais pas du tout. Attends, je vais regarder. Ouais, en fait, c'est que des jeux de gestion, quoi. ARA is an homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation. Ils ont fait Ashes of Singularity et ARA History Untold. ARA, c'est celui qu'on regarde, donc au final. Ah oui, c'est celui qui n'est pas encore sorti, ok. Ouais. Donc ils ont fait qu'un jeu, ouais. Et en plus, c'est marqué NC, mais vu que je ne sais pas lire, voilà. Bah, merci pour cette intervention très intéressante. Bah, ça, j'ai même dit un jeu qu'ils ont développé. Expand the game and make it really good. C'est sorti en exclusivité sur PC d'ailleurs, le premier jeu. Il n'est pas du tout sorti sur Xbox. That's Dan. We started in his basement. Excellent ça. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine. J'avoue, Guignard qui passe derrière. And prototyping out features, rediscovering what made us fall in love with strategy games in the first place. The end result is ARA. The historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule. Ouais, ça aussi c'est extrêmement de niche, quoi. Ah bah ça, si t'aimes pas les jeux de stratégie, c'est mort. De toute façon. And give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. Bah c'est typiquement pas le jeu pour moi. Et en plus, je trouve que c'est un jeu qui vraiment a montré dans une conf comme ça, c'est pas sexy du tout, donc je sais pas trop si c'est sa place, quoi. Parce que là, tu perds beaucoup de monde, je pense. Alors c'est bien, ça montre que le catalogue Xbox est diversifié, mais bon, à montrer comme ça, je sais pas. Après, faut bien qu'ils aient aussi... C'est vraiment particulier, hein, et puis il sort plus sur console, le jeu. On est sûr qu'il sort sur console ? C'est marqué Xbox, sur Xbox, et... c'est vraiment... Xbox et PC, ouais. Ah, ok. Enfin, Xbox Series même pas One. Bon, après, c'est logique. Après, maintenant, les jeux comme ça, ils s'adaptent de plus en plus aux manettes quand même. Oui. T'as eu Age of Empires et tout. City Skyline et tout. Dans full PC. Ouais, mais sur une expérience de jeu, je trouve que c'est vraiment particulier à la manette. C'est une habitude à prendre. Après, faut se dire que tout le monde a pas le PC pour faire tourner ça. Donc, c'est bien aussi que ça arrive sur console, du moment que c'est bien fait, évidemment. Mais il y a de plus en plus de jeux de gestion de toute façon qui sortent sur console et que oui. Je vois rarement des gens se plaindre sur le jeu. Ouais, t'as City Skylines, les trucs comme ça. Bah, t'as tous les jeux maintenant. C'est pas le meilleur exemple en ce moment. Ouais, c'est sûr, mais bon, pour montrer qu'il y a... Non, mais pour montrer qu'il y a des grands noms qui arrivent, quoi. Non, mais t'as tous les jeux de gestion maintenant. Tropico, City Skylines, les roller coasters, les. Enfin, tous les jeux de gestion maintenant sortent sur console. Empire Building aussi, je crois que si. Oui, Age of Empires, Empire Building. Il y a énormément de demandes aussi à l'époque, hein, parce qu'ils étaient spécifiquement sur PC. Oui, le Jurassic Park Evolution, effectivement. Personally, when I play ARA, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. They're hard to build, but worth it. Giving huge prestige bonuses. C'est un peu comme le jeu, c'est Planet Zoo qui était sorti uniquement sur PC à l'époque. Il y a eu beaucoup de demandes et malgré les années, il n'est pas détrôné. Hein. Bah ouais, mais après chaque genre de jeu a son public. Hein. Just changes the challenge that exists in ARA compared to other 4X games. Crafting plays out in ARA at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything. Après, c'est vrai que bon, dans une conférence, ça casse carrément le rythme, tu vois. Comme disait Mathieu, il y a quelque chose de bien solide derrière pour raviver le public. Bah après, il y a Indiana Jones, donc peut-être que ça va envoyer du haut.
Ah, mais une bonne surprise derrière, ce serait pas mal aussi. Faut... C'est pas une conférence pour les surprises. Après, ils ont été transparents à Xbox. C'est pas une conférence pour les surprises. Donc, ouais, c'est sûr. Faut pas avoir d'attente là-dessus. Hein, faut surprise à chaque fois, quoi. Parce que. Non. Et puis ça, c'est pas leur grand rendez-vous. C'est pas leur grand rendez-vous de l'année. Faut oublier que leur conf c'est cet été quoi, c'est en juin donc. Et on peut pas dire que voilà, c'est une conférence vide quoi. T'as eu Evode, t'as eu Hellblade 2, tu vas avoir Indiana Jones sur 5 jeux, ça fait quand même 3 gros jeux. Après, Legend of Mana, c'est un gros coup aussi. Hein. Nous, on n'est pas dans le truc, mais quand tu vois l'impact... Hi-Fi Rush en même temps, tu vois. Ça, c'était cool. On a tous encore été censurés. Ouais, non, ils vont pas faire le coup à chaque fois, mais tu sais, ce serait bien. C'est bête, ce serait bien. Il y avait des rumeurs qu'ils annoncent Hi-Fi Rush, par exemple, sur Switch. Il y avait des rumeurs là qu'il allait y avoir plusieurs jeux Xbox qui arrivent sur d'autres supports. Ça aurait pu être intéressant. Ouais. Ouais, mais je pense pas qu'ils l'auraient annoncé à... Tu vois, faire... Oui, c'est un développeur direct, donc non, ouais, c'est sûr. Le format s'y prête pas, je suis d'accord. La concurrence, c'est... Ouais, mais un peu en vrai, ça... En vrai, demain ils annoncent Hi-Fi Rush sur Switch et Sea of Thieves sur PS5. Tu crois qu'ils l'annoncent à leur conférence ou c'est Nintendo qui l'annonce dans un direct et PlayStation un State of Play? Ah, je sais pas, j'avoue, ça je demanderai à voir, ouais. Ça c'est serait bizarre, tu vois. Ça serait même pas annoncé en conférence, ça se trouve, ce serait juste un post ou un blog post, ouais, parce qu'ils ont honte, ils veulent pas se montrer, ils veulent pas serrer la main du Jim Ryan, n'est plus là, donc c'est pas grave. Mais ça serait curieux, tu vois, j'espère que la rumeur est vraie et de voir comment ça va être annoncé. Il y avait une rumeur aussi qui disait qu'il y avait un jeu qui allait arriver sur Xbox bientôt et que ça allait mettre le feu à Internet. Il y a un gros insider qui a dit ça. Et que ça allait pas mal gueuler ou je sais pas quoi, donc je me demande ce que c'est. Ah bah c'est Tomb Raider. Bah pourquoi? Tomb Raider qui revient exclusivité Xbox. Ah oui, il y a l'exclusivité, bon ils l'ont déjà fait donc. Et puis Tomb Raider, oui, tout le monde s'en fiche à part Mathieu donc. Ils se sont déjà foirés avec les pires ventes de la série donc bon. Ouais, j'avoue, ils vont peut-être pas recommencer. Sachant qu'Embracer ils cherchent de la thune en plus donc ils vont peut-être bah, pas. Bah clairement, je pense que ça les a vaccinés le fail de Rise sur Xbox One. Hein. Ouais, c'est clair. J'aime bien que. Non, après on le sort partout, on le sort partout. Ah, attention, c'est la fin. Après c'était prévu depuis le début que ça sorte partout, mais... Oui, oui. Ah, cet automne aussi, ok. Allez, Indiana Jones. Ah, pas de console. Allez, hein. Voilà. Pas de console. Hein. Ouais, PC ah, voilà. Game Pass, effectivement. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Putain, Mal raconte que de la merde. Hein. Bon, là il reste du coup 14 minutes. Est-ce qu'ils vont faire 14 minutes sur Indy? Moi je pense que sur Indiana Jones, ouais, c'est possible. Il y aura 10 minutes d'Indiana Jones. Où est-ce qu'ils vont greffer un autre jeu? Il y a peut-être encore une petite place à côté et d'Indiana. Et ça part sur Indiana. Ah, il y a la place pour un One More Thing. Hein. Est-ce qu'ils, pareil, ils vont rien montrer, ils vont juste discuter d'Indiana. J'imagine. Tu sais qu'il est pas du tout prêt. Voilà les images d'Indiana Jones. Bon, faut pas oublier que Machine Games il reste sur Wolfenstein Youngblood qui était bof bof, donc j'espère qu'ils vont rebondir. Ah non, ça n'a rien à voir, End of Raiders of the... Ah non, mais c'est le premier. Oh putain, ils annoncent une compilation de tous les jeux. Ah, t'imagines? Et oubliez pas que c'est Todd Howard qui produit le jeu. Alors, tout est possible. Indiana Jones dans l'espace. Le crossover avec Starfield. Le multivers. Eh ben voilà, regardez, il est là, il est partout. Il est partout, ouais, j'avoue, c'est le Kojima de Bethesda, quoi. What kind of arc he was going to have, and as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world? C'est lui qui a décidé du studio qui allait le faire, quoi. Ah, c'est moi qui décide. Alors qu'à la base, en plus, Todd Howard, il est juste créatif directeur chez Bethesda Game Studios. Hein. Il dirige même pas Bethesda Software. Ouais. Je sais pas pourquoi il est partout. Ah, parce que clairement, c'est lui qui a fait l'image de Bethesda. Hein. Ouais, d'accord. Bah après, pour le bien et pour le mal aussi, hein. Pour le meilleur et pour le pire. Parce ah bah après, que, c'est bonne réputation. C'est le revers de la pièce, de toute façon. De toute façon, quand t'es important, on t'attribue les victoires et les défaites, hein, ça va avec. Ah, premier aperçu, allez. Damien. Premier aperçu, attention. Allez. J'espère que c'est au moins aussi beau qu'Uncharted 4, hein, si c'est dans la même veine, parce qu'il va souffrir de la comparaison. Bah déjà, non.
Déjà, voilà. Par contre, c'est du Harrison Ford, hein. Bah, jusque-là. Mais oui, c'est vrai que, bon, graphiquement, je suis un petit peu... Ouais, ça pique, graphiquement, n'empêche. Ouais. Mais après, ils ont... c'est une patte graphique, mais c'est pas ce que j'aurais attendu. Bon, après, graphiquement, ouais, tant que le jeu est bon, je m'en fiche que graphiquement... Après, il a une bonne tranche, je trouve, ça va. Oh, c'est Harrison Ford, trop bien. Ouais, il a une bonne tranche, là, ça va. Après, j'aurais pas vu... quelqu'un d'autre à la place de Harrison Ford. Oh là là, executive producer Todd Howard, tu sais, il y a vraiment besoin de le préciser. Ah, c'est un FPS, hein. Non, pitié. Non, c'est un FPS. Non, pitié, pas FPS. C'est un FPS. Ah, ça va. Comme les Wolfenstein, je suis pas trop... Ouais, ils en avaient parlé comme quoi c'était uniquement en première personne, ouais. Ah non, oh, ça ils ont pas le droit. Tu fais pas un jeu de Indiana Jones à la première personne. Je serais pas étonné, tu sais, qu'il y ait des moments à la troisième aussi. Tu sais, petite alternance, ouais, selon mais... ce que tu fais. Ouais, mais ils auraient dû faire l'inverse. Parce qu'ils en avaient... Regarde, parlé, là on l'a vu aussi à la troisième personne. Alors, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix, peut-être? Attendez, on sait pas. Après, faut savoir Bethesda Softworks, les jeux Bethesda Softworks, c'est souvent des FPS. Et Machine Games, ils ont fait que des FPS, donc je suis pas plus étonné que ça. Je pense qu'il va y avoir les phases de combat et tout comme ça en FPS, et peut-être les phases où tu as la tyrolienne et tout, qui vont être à la troisième personne. Oh non, ils ont mis des actions spécifiques. Et puis tu sais, ça permet un peu aussi de le... comment dire, de d'éviter la comparaison facile avec, comme j'ai fait avec Uncharted et Tomb Raider. Déjà, quand tu changes le point de vue, ça change la vision que tu as sur le jeu. Ouais, mais non, moi, quand je joue Indiana Jones, j'ai envie de voir Indiana Jones, tu vois, j'ai pas envie de... Ouais, bon, après, moi, je vais pas mater les fesses d'Indiana Jones pendant tout le jeu, quoi, c'est pas grave. Par contre, j'avoue, Tomb Raider est plus intéressant. Par contre, je sens l'utilisation abusive du lasso, par contre, je sens. Ouais, là, depuis tout à l'heure, on le voit déjà. Ah, ça, pour le coup, c'est normal. C'est quand ouais, même... mais... dans un film, je suis d'accord, mais si c'est genre giga répétitif pendant 15 heures où tu chopes tout le monde au lasso, bon... C'est vrai qu'en termes de gameplay, tu vas vite te lasser si c'est que ça, quoi. Ça fait très Call of, ça. Ouais, c'est ça le titre, Circle machin. Great Circle. Pourquoi pas? Non, moi je reste hype, même si la première personne ça me déçoit un peu quand même. S'il y a de l'humour et tout en plus, ça peut être cool. C'est rare l'humour dans les jeux de nos jours. Je pense que ça peut être un très 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 bon jeu. Je sais pas, je suis un petit peu... Le savoir froid, il a franchement... Je suis un petit peu sceptique. Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies and the character for years. Ça sent encore freeze. Ouais. J'ai un peu l'impression que graphiquement, faudra revoir en 4K parce que là forcément c'est en stream, mais je sais pas, je suis pas refroidi. Je suis pas refroidi, mais je suis pas overhypé non plus. Je suis encore sceptique, tu vois. Je sais pas trop quoi en dire. Ouais, première personne. Ouais, mais non, mais les gars, là, vous ouais, déconnez. Ouais, mais ça, ils en avaient déjà parlé. Il y avait rien d'officiel, je crois pas que ça avait été confirmé que ça ouais, serait c'était des premières pas officiel, personnes. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Franchement, sur un jeu comme ça, je dirais c'est presque original, tu sais, un jeu d'aventure vraiment full première personne. Sur ça, c'est vrai. Et puis Machine Games sait faire de très bons jeux à la première personne, bien dynamique et tout, donc pourquoi pas, quoi. Ouais, mais je sais pas, pour moi, tu proposes au moins le choix, je sais pas. On sait que t'es amoureux d'Indiana Jones et que tu voulais le mater pendant tout le jeu, Mathieu, c'est bon. Hein. Non, mais la troisième personne pour un jeu d'action-aventure, pour moi, regarde, c'est la tu vois, base. Voilà, wow. Tu vois la caméra qui shift à la troisième personne à certains moments. Ouais, mais ils ont fait l'inverse de ce qu'il faut, quoi. C'est non. L'inverse qu'ils auraient fallu faire. Oh, tu fais les phases d'exploration à la troisième personne et les combats à la première personne. J'aurais trouvé ça bizarre de switcher sur la première personne pendant les combats. C'est ce qu'ils faisaient les anciens Indiana Jones, pour le coup. Ouais, mais après, maintenant, on peut se mettre aussi un peu au bout du jour, quoi. Ah, par contre, le visage d'Harrison Ford, il pue la classe. Hein. J'avoue que ça... Il est amoureux. Ah bah, là, Harrison Ford, carrément, Indiana Jones, comment on peut ne pas être amoureux, quoi. La base. Bah moi, tu vois, je suis pas du tout un fan d'Indiana Jones, mais le jeu me tente bien.
Ils montent pas mal de trucs, donc peut-être une sortie pas si éloignée possible. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. Ça donne envie de se refaire les trois premiers. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Bon, ils vont nous rendre fous avec leurs énigmes. Ouais, mais par contre, le fait d'avoir de faire les énigmes à la première personne, ça peut être très intéressant. Ah, je sais pas, justement, moi ça me saoulerait encore plus. Mais faut voir si le jeu est bien construit là-dessus, ça peut être bien. C'est difficile là de juger juste sur ce qui est montré. Faut voir manette en main, clavier souris. Ça se trouve, ça passera très bien. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow peaks. Oh putain, l'Egypte incroyable. C'est cool, franchement, s'ils font bien voyager, franchement. Ouais, par contre, c'est un point fort. Ça fait vraiment penser vraiment au jeu à l'ancienne, tu vois. Vraiment, tu voyages aux quatre coins du monde et tout. Du coup, c'est pas un open world, j'imagine. Non. Et Dieu merci. Bah ouais, en open world, ce serait très spécial. Ça va être un jeu de couloir, je pense, non? Ça va être. Non, mais faut pas faire que des open world. Ah oui, non, mais je vois bien. Je vois pas du tout un Indiana Jones en open world en fait. Ça, je vois bien un jeu au dernier Uncharted, tu vois, avec des zones très ouvertes. Je sais même pas si ce sera très ouvert, après ouais, faut voir, Après, tu sais, un jeu couloir maîtrisé avec quelques scripts et tout, avec une toute petite dose d'exploration, ça peut être sympa. Oui, parce que mettre des zones ouvertes, c'est pareil, c'est contre-productif, donc... Oui. Je pense pas qu'on aura autre chose, vu l'heure qu'il est, à mon avis. Ouais. Donc il y a deux personnages jouables en plus. Aïe, on va jouer une femme. Il y a des gens sur Twitter qui sont en PLS. Ah, bah c'est pour ça que je suis parti de Twitter, je verrai personne râler. Comment ils vont s'identifier ces gens-là? Sans déconner. Ils s'identifieront pas, on la verra pas de toute façon, donc ils vont pas nous emmerder quand même. Mathieu peut déjà pas s'identifier à Indiana, donc... C'est vrai. Après, en vrai, je suis un peu comme Mathieu, ça me... En fait, pour certains jeux, quand tu crées ton personnage, ça me dérange pas d'être en vue première personne. Quand t'as des personnages connus, genre tu vois un Uncharted 5 avec Nathan Drake en FPS, je pourrais pas, tu vois. Ben moi, tu vois, c'est l'inverse qui me gêne. Je me dis, je passe énormément de temps à créer mon personnage. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Tu as été censuré du coup. Ouais, t'as été censuré. Tu passes énormément de temps à créer ton personnage. De toute façon, le monde n'est pas prêt à entendre ce que j'ai à dire. Ça. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, Thibaut. Je sais ce que t'as voulu dire et je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Non, je disais juste que quand je crée un personnage, je veux justement passer du temps à le voir et pas le voir en FPS. Sinon, ça ne sert à rien. Bah ouais. Des avoir des options de personnalisation pour pas avoir ton personnage. Alors, plus précisément, dans Wolfenstein, quand c'est un personnage que je connais pas, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais effectivement, quand je crée mon personnage ou je prends du temps, ou quand c'est des personnages connus, genre Tomb Raider, Nathan Drake, ou là, ça me dérange en FPS, tu vois. Ouais. Pas pour les mater, mais parce que t'es fan de ces personnages-là. Et là, justement, tu vois, t'as la classe d'Harrison Ford, bah, de temps en temps, tu vois, tu bouges la caméra pour le voir et tout, tu vois, c'est cool, tu vois. Ouais, mais si tu le vois dans les cinématiques déjà, et que sa voix, les dialogues sont intéressants et tout, je pense que c'est bien. Ouais, mais t'as aussi des moments en jeu où tu peux avoir des très beaux endroits, ou des endroits très stylés. Vous inquiétez pas, sur PC ils feront un mode sur PC, vous inquiétez pas. Est-ce que ce sera sa voix du coup? Ça a été dit si c'était Harrison Ford qui le jouait? Je crois que ça n'a pas été dit, je crois.
Par contre, c'est vrai que le lasso, il a l'air ultra présent. Il n'y a pas que ça, plusieurs fois, il y a beaucoup de scènes où on le voit aussi grapper avec son lasso, et ça, je trouve ça beaucoup trop répétitif pour le coup. Ouais, enfin, ça, après, ça sera peut-être pas ça dans le jeu, mais en tout cas, là, dans ce qu'il présente, on le voit vraiment beaucoup trop de fois, le fait qu'il monte sur un mur avec le lasso. Et je regarde en même temps le feed 4K sur YouTube, et le jeu a l'air plutôt joli au final, au niveau des effets de lumière et tout, d'ambiance, ça a l'air sympa. Ouais, les premières scènes étaient bizarres, mais là, ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs sympas quand même. C'est le temps de s'habituer à la DA une fois qu'on est... Pour le coup, tu vois, je trouve que les animations faciales d'Indiana Jones sont pas non plus... d'Harrison Ford, elles sont pas hyper travaillées, je trouve. Oh, t'as quand même son petit sourire, hein. Son petit sourire... Ouais, moi je trouve que ça va, hein, en vrai. Après, c'est pas la grosse, là, ça a eu mieux. Ah, oui, y a eu la sortie. Ah, les Shadow Drop, là. T'imagines, il sort maintenant. C'est le truc. Ça, t'imagines. C'est un tout petit jeu qui dure 4 heures, en fait. Hein. Ah, t'imagines la douille. Whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure. Ils vont dire 2024 et puis rentrer chez vous. C'est l'arnaque du siècle. I'm also very excited to announce Indiana Jones. Ouais, later this year, voilà. Cannot wait. Qu'est-ce qu'il fout là derrière hein, Oh là. Oh, voleur. Ouais, bon, repoussé à 2025, quoi. Okay. Je trouve qu'au niveau des animations faciales, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, et Game Pass. Plus mieux. Ouais, il est pas mal. Ouais, donc c'est bien exclusif, visiblement, je le pense. Ouais, je pense aussi. Hein. De toute façon, ils ont tout intérêt à le rendre exclusif. Hein. Phil Spencer, il a toujours voulu avoir son Tomb Raider, son Uncharted, donc... Ah, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est juste le montage de fin. Bon. Bah... C'était conforme à ce qu'on pouvait s'attendre en termes de contenu de la En vrai, je suis pas déçu non plus. Ouais. Bah, pour moi, c'est le meilleur format qui existe à ce jour avec le PlayStation Showcase. Hein. Clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment le format de Xbox pour moi. Ouais. Oh, je préfère quand même leur conf d'été, mais. Bah, moi, tu vois, je préfère les développeurs directs, en vrai. Ouais, mais tu sais, un par an, ça suffit, quoi. Tu sais, c'est pas le truc qu'il faut spammer. Parce que c'est quand même c'est pas très grand public. C'est pas très grand public quoi comme événement. Je pense qu'un événement comme ça, plus un événement grand public type E3, RIP, ça peut être pas mal. T'en fais deux par an, ouais, à la limite, tu vois, t'en fais un vers le début d'année, un vers le mi-fin d'année, tu vois. Ouais, bah tu sais, faut pas faire comme Sony qui spammait les state of play inintéressants toute l'année. Non, non, ça sert à rien, mais de toute façon, trop de conférences, tu les conférences, si t'as rien à annoncer, ça sert à rien de faire des trucs sur des jeux ouais. qui n'intéressent pas les gens, quoi. De toute façon, on est en mode vieux con, vive le 3, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est clair, vive le 3, le 3 est mort. Mais en tout cas, la construction du show, les graphismes et tout, enfin je trouve ça excellent en tout cas. Moi j'ai... Ah mais c'est trop bien. Ouais j'aime bien le format. C'est vrai que le montage de la conf est vraiment propre. Et pour celles et ceux qui jouent à The Elder Scrolls Online, là à 22h il y a l'annonce de la présentation de la nouvelle extension. Ah voilà. Bah voilà je l'ai, voilà. C'est un truc niche mais... Voilà. Tac tac tac. Bah écoutez, c'était plutôt sympa ce petit... développeur direct. Dites-nous un petit peu dans le chat ce que vous en avez pensé. Il y a un sondage. Oh, il y a déjà un sondage. Ah non. Bah si, non. Si, il y a un sondage. Bah, je le vois pas, moi. Ouais, je le vois aussi, ouais. Ok, moi je suis censuré. Censuré sur sa propre chaîne. C'est incroyable, ça. ok, bah moi je le vois pas. Bon, bah du coup... Akko, t'en as pensé quoi ? Eh ben, moi j'ai bien aimé le format, c'était très fluide et tout aussi au niveau des annonces. Mm-hmm. Après, en termes d'annonces, bah, Indiana Jones, Hellblade, bah, de toute façon, on pouvait s'attendre qu'à des bonnes choses. Après, Avowed, je m'attendais à quand même mieux au niveau de la communication, enfin, la com, je veux dire. Vraiment au niveau de l'annonce. Ok.
Il y avait des choses où je m'attendais quand même à mieux. Surtout, comme on disait, on voyait là, au niveau des combats, c'était très très mou. C'est ouais, à voir vraiment ce qu'il y aura après, par la suite. Mais après, très content, surtout au niveau de Indiana Jones. Et... Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors que je viens de voir que le launch trailer de The Last of Us Part 2 vient de sortir. toujours le bon timing. toi de ton côté, Maël, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu retiens? Bah, du coup, déjà, avant de parler des jeux et du contenu en lui-même, juste le format, j'adore. Je connais. Voilà, dès que Maël part, c'est incroyable, ça plante. J'aime bien voir les parties où ils montrent un peu comment ils enregistrent certains sons. Je repense à... J'ai un trou sur le nom. It made... Enfin... Oh, merde, c'est quoi? Celui où on voit la personne tourner autour du micro pour qu'il y ait une variation du son et de ça. Hellblade. Oui, voilà, merci. J'ai eu un giga trou sur le jeu, je sais pas pourquoi. Mais du coup, ça, j'aime bien voir ces petits trucs, ces petits détails-là et tout ça. Je trouve ça super intéressant. Et même, sinon, en termes de jeu, bah, du coup, je connaissais Hitblade. Je connaissais pas... Enfin, je savais pas qu'il y avait Indiana Jones qui était en développement. Donc ça, c'est pas mal. Après, comme Mathieu, je suis un peu déçu que ce soit en première personne. Je suis pas un gros adepte de la première personne. Mais après, sinon, ouais, le jeu de gestion qui est pas trop intéressant. Mais pour ceux que ça intéresse, je pense qu'ils ont été conquis et tout par le jeu. Mais sinon, globalement, oui, c'est une bonne conférence en termes de rythme et tout ça. Elle est assez cool. Ok, très bien. Et du coup, vraiment, le jeu que tu retiens, ça va être lequel? Et donc, forcément, ça plante quand je te demande ça. Non, non, c'est mon cerveau qui a planté, là. Ah, c'est toi qui a planté? Non, en vrai, Hellblade, je pense. Hellblade? Ok, ouais, très Hellblade. Bien. Hellblade 2 sera uniquement digital et 50 euros. Ah, ça a été annoncé où? Je l'ai vu passer sur Twitter, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah ben, comme Alan Wake. Hein. Comme Alan Wake, exactement pareil, comme Alan Wake 2. Ça va. Digital, franchement, ça saoule. Ça va gueuler, ça va gueuler. De ton côté, Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu retiens? Moi, j'ai retenu Hellblade 2 et puis Indiana Jones. Ouais. Tout le reste, c'est pas du tout ma tasse de thé. Ok. Déçu ou pas du côté FPS d'Indiana Jones? Un peu, oui, un peu, parce que c'est vrai que faut aimer ça. Et puis, comme on dit, hein, c'est du Harrison Ford, donc... Ouais, t'aurais aussi préféré... Le voir en direct, et puis ça, je pense qu'il y aura une meilleure immersion. Maintenant, après, voilà, faut voir ce que ça donne. C'est du Bethesda, j'ai été très déçu par Starfield. Ok. Donc après, à voir, mais vraiment, ce que je retiens principalement, c'est Hellblade 2. Hâte de voir ce que ça va donner. Ok, très bien. Toi, de ton côté, Thibaut, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence? La conférence en elle-même, je trouvais bien, conforme aux attentes. Bon, il est vrai que la petite surprise, du coup, Visions of Mana de Square Enix, je trouve que c'était pas nécessairement sa place, donc ça me laisse assez indifférent. Ouais. Mais après, moi j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai apprécié Indiana Jones, qu'on en a vu. J'ai rien contre la vue FPS. Mm-hmm. C'est conforme à ce que fait Machine Games, donc je pense que ce sera bien exécuté. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas énormément d'attache au personnage d'Indiana Jones, donc ça m'est égal de le voir ou non. Et j'attends quand même Vaud, même si du coup je vois qu'il a pas trop plu globalement. Mais c'est Obsidian, je sais que les quêtes vont être très intéressantes, que l'histoire sera au rendez-vous, et moi l'univers fantastique, voilà. Ok, très bien, ça marche. Et du coup Mathieu, pareil, même question, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu retiens? Pour moi, honnêtement, je le dis, excellente conférence. Je l'avais déjà dit aux développeurs directs de l'année dernière, mais je trouve vraiment que c'est qu'Xbox a trouvé son format avec le développeur direct. Parce que moi, j'adore quand c'est bien mis en scène. Là, tu vois, la DA, la manière dont c'est filmé, je trouve ça super classe. Et puis j'adore aussi voir les développeurs être mis en avant, avoir l'occasion de s'exprimer, n'est-ce pas Jeff Kelly? Donc ça fait plaisir
de voir un tel format où justement on voit du concret parce qu'on a du gameplay, on a des trailers, on a des images, et en même temps on a les développeurs qui nous expliquent leur démarche, qui nous expliquent ce qu'ils vont faire, à quoi on peut s'attendre. Donc très content, forcément un peu déçu que Indiana Jones soit la première personne, parce que j'espérais vraiment qu'ils en fassent un jeu à la troisième personne, mais je suis quand même très hypé par ce que j'ai vu. Je pense que ça va être un super jeu, puis très content de la date de sortie de Hellblade aussi. Donc non, pour moi, excellente conférence, je suis vraiment satisfait. Ok, très bien. Du coup, je vais faire un petit tour également sur le chat pour voir. Ah merde, j'ai plus le sondage. C'est quoi le sondage? C'était très bien qui était. Très bien, 54%. Ok, c'est très bien. Bien, 54%. Ouais. Ok, bah écoute, je pense que ouais, c'était plutôt très bien. C'est qui? Jeff Kelly. Jeff Kelly, c'est le producteur, le producteur des Game Awards et de l'Opening Night Live de la Gamescom, qui effectivement nous propose et du Summer Game Fest, et du Summer Game Fest qui est tellement mémorable qu'on l'oublie jamais forcément, mais ouais, qui nous fait pas à chaque fois des giga masterclass, et qui ne laisse pas trop la place aux développeurs, aux gens de s'exprimer. Du coup, Maël, tu voulais rajouter un truc ? Oui, j'allais dire aussi par rapport au fait qu'ils annoncent les noms des jeux qui vont être présentés. Je pense qu'on n'aurait pas eu le même ressenti que ce soit dans le chat ou pour nous, en mode 54% qui disent très bien, parce qu'on aurait peut-être attendu deux jeux et tout ça, et c'est là que ça montre que annoncer les jeux avant, ça peut être bien en fait. Parce que du coup, je m'attendais à voir ces jeux-là, bon, sauf ceux que je connaissais pas, où là c'était vraiment la découverte. Et en plus, le fait qu'il y ait une petite surprise, je trouve ça, même si je crois que c'est Thibaut qui a trouvé que ça n'avait pas trop sa place, je trouve que c'est quand même toujours ça de prix en plus. Donc le fait qu'ils annoncent, pour moi, ça c'est quand même globalement positif en fait, sur le ressenti final que j'ai. Après, pour le jeu de Square Enix, oui, c'était quand même sympa de le voir. Je pense juste que c'est le jeu qui dénotait le plus, parce que déjà, il n'est même pas dans le Game Pass, c'est pas une exclusivité. Et du coup, c'est pour. Je sais pas, ça donnait juste l'impression de ouais, voilà, il y a un jeu Square Enix qui arrive sur Xbox. Et c'était. Alors que c'est pas trop le message qui était censé envoyer l'événement, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je trouve le jeu en lui-même, pourquoi pas, mais je trouve qu'il n'a pas nécessairement sa place dans cet event, quoi. Oui, parce que c'est pas une exclusivité Xbox, c'est vrai. Ok, bah après moi c'est vrai que le truc c'est que j'aime beaucoup les surprises. Pour moi mes meilleurs souvenirs de conférences c'est quand t'as des choses qui sortent de nulle part et que tu te dises mais waouh putain je l'ai pas vu venir etc. Donc c'est vrai que moi les conférences où tout est annoncé en amont, voilà j'ai un petit peu tendance à ça me frustre quoi tu vois. Honnêtement Indiana Jones n'aurait pas été annoncé. Et directement, on aurait vu le premier trailer de Indy, j'aurais été 10 fois plus hype que ça, tu vois. C'est vrai que Indiana Jones aurait pu être la surprise de cette conférence. Ouais, voilà, tu vois, moi, je suis très sceptique concernant l'annonce des programmes en amont. Il y a quelques années, justement, à l'époque de l'E3, on tapait sur Electronic Arts et Ubisoft qui faisaient tout le temps ça. Et du coup au final j'en ai rien à foutre. Après, moi s'il y a trois connards sur Twitter qui s'hype de rien, qu'ils aillent se faire foutre s'ils sont voilà, j'en ai rien à foutre moi. C'est pas parce qu'il y a... c'est pas parce qu'il y a encore trois connards sur Twitter qui vont insulter tous les développeurs parce que les mecs ils s'attendaient à voir GTA 6 dans le truc, que du coup tous les joueurs doivent être pénalisés et tout ça. Enfin au bout d'un moment c'est bon quoi. Moi ça me fait un peu chier, ouais, franchement ça me fait chier. C'est toujours pareil en fait, au final c'est un petit peu le truc où on se plie à la volonté. Enfin on sait très bien qu'on fera jamais l'unanimité, on sait très bien que même là je suis sûr tu vas sur Twitter en ayant annoncé le programme, il y a des gens qui vont dire que c'est de la merde, donc au final ce sera toujours les mêmes connards en fait qui vont critiquer. Donc au bout d'un moment pénalisez pas les vrais fans, les vrais joueurs qui aiment être surpris et qui savent modérer leurs attentes avec trois pimpins qui font de la merde quoi. Enfin,
Je sais pas. Après, enfin... Chris, je te trouve un peu dur parce que moi, je pense qu'ils ont fait ça parce que c'est pas leur gros événement de l'année, Xbox. Oui, tu vois, c'est oui. un petit truc. C'est pas comme s'ils annonçaient tout leur programme de leur Xbox Game Showcase, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est parce que c'est un petit truc et c'est juste fait pour modérer les attentes. Oui, bien sûr. Et encore, et je me doute très bien que pour la conférence du Summer Game Fest en juin, ils vont pas dévoiler tout ça, tu vois. Moi je vois ça aussi comme un moyen de protéger les développeurs parce que tu peux être persuadé qu'après un tel événement il y a des gens qui seraient tombés sur certains studios en mode on voit pas vos jeux alors que tu vois c'est un tout petit événement donc avoir des attentes complètement démesurées ça aurait pas eu de sens. Ouais, mais là qu'est-ce qui empêche le cancer de Twitter d'aller d'aller mentionner non, c'est Twitter pour dire que oui non mais non, je veux dire moi... en ayant annoncé en amont ou pas. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller dire ouais, non, mais PFR Dark il est où, etc. Ça fait des années. Il n'y a rien qui l'empêche, mais voilà. Tu protèges l'image de marque un peu de Xbox dans le sens où, tu vois, là c'est vraiment un événement dédié aux développeurs et qui fait vraiment le point sur certains jeux. Et si c'est vraiment l'objectif d'Xbox de mettre en avant que certains jeux précis, je trouve ça bien de dire lesquels ce sera. Tu vois, c'est pas juste un enchaînement de trailers quoi, ce soir. C'est vraiment un focus sur certains trucs. Faut aussi penser que les surprises, c'est excellent, on adore tout ça, moi le premier, mais des fois c'est bien aussi d'avoir un programme qui est défini, où on sait à quoi on va s'attendre, et les surprises, il y en aura plus tard. D'ailleurs, là, on peut pas dire qu'il n'y en a pas eu, parce qu'il y en a eu une finalement de surprise. Bon, après, c'est pas une surprise qui nous touche, nous, personnellement, mais tous ceux qui sont fans de la licence, qui adorent les JRPG, ils ont probablement été très satisfaits de cette surprise. En attendant, nous, on a quand même eu du Indiana Jones, du Hellblade 2, du Senua Saga. On peut pas dire qu'on n'a rien eu. Et moi, je trouve que c'est bien quand même, parfois, d'avoir des conférences où, certes, il n'y a pas énormément de surprises, mais au moins, on a un programme bien défini, on sait à quoi s'attendre, on sait pourquoi on vient, et on repart sans se dire, ah, j'aurais quand même mais qui est ça parce qu'ils auraient pu mettre ça ou quoi. Ça me paraît important quand même. D'accord sur ce point là également, c'est vrai. Mais qu'ils fassent pas ça tout le temps quoi. Sinon, bah, aussi, ils font ça juste pour un développeur direct donc. Oui, voilà, c'est le format qui veut ça. Après, si on veut des surprises, on en aura probablement pendant le Summer Game Fest, pendant un Xbox Showcase, pendant les Game Awards. On aura plein d'autres occasions où il y aura même des surprises. Même si les surprises, c'est quand même une tendance qui se perd parce qu'il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de leaks, il y a beaucoup de tout ce qu'on veut. Et je pense qu'il faut un peu faire le deuil, tu sais, de cette période de l'E3 qu'on kiffait tous et il n'y avait pas trop de rumeurs sur Internet. Maintenant, bah, les réseaux sociaux et tout, malheureusement, il faut accepter de plus trop avoir de surprises, quoi. Je ne ferai jamais ce deuil, Thibaut. Surtout avec les insiders, quoi. Si les développeurs arrêtaient de balancer des infos aux insiders, déjà, on s'en sortirait mieux, quoi. Ouais, mais ça, honnêtement, c'est impossible. C'est impossible. Ah oui, malheureusement. Parce que faudrait faire tout un débat là-dessus. Il y a tellement de choses à dire. Bah, techniquement, tu vois, même là, tu vois, on parlait de Ninja Theory et de comment ça s'appelle, de Hellblade 2, où finalement il y a entre guillemets que 130 développeurs dans le studio, tu vois. 130 développeurs. Il suffit que qu'avec un mec ça se passe mal, qu'il y ait une journée de congé qui est refusée ou juste qu'il se prenne la tête avec un manager. Le gars, il va voir un insider sur Twitter qui se retrouve très facilement. Il crée un faux compte, il lui balance des dingueries, tu vois. Après, tu sais, quand t'es dans la presse, bah, toi comme moi, tu sais, et Mathieu aussi d'ailleurs, quand on est dans la presse, parfois on a des infos sous embargo. Rien n'empêche qu'on peut les balancer anonymement. Oui. Je veux dire, après, c'est à la responsabilité de chacun. Et malheureusement, t'en as toujours qui voudront faire ça. Je pense pas. Oui, non, mais ça... Et puis, tu sais, tous les développeurs, et ça je l'ai compris, beaucoup de développeurs de studios différents parlent entre eux parce qu'ils font le même métier. Oui, oui, ça oui. Et du coup, est-ce que peut-être on a trop cultivé cette culture du secret dans le JV aussi ? Tu vois, tu te dis des fois, on garde des trucs comme si... Tu gardes des fois comme si c'était des trucs secret défense, parce qu'évidemment, il faut faire gaffe aux investisseurs et tout. Top mais des fois, tu gardes des trucs secret défense bêtement, alors que ça se sait facilement parce que les gens parlent dans le milieu, quoi. Donc... Oui, mais... Moi, j'ai un peu du mal avec cette culture du secret permanente aussi, où tu te dis que bon, c'est du JV et qu'on gagnerait peut-être à être un peu moins à cheval sur personne doit parler, alors qu'au final, tout le monde est au courant. Quoi. Mais pourquoi personne parle ? Parce que justement, après, tu as des attentes démesurées. On se rappelle pour The Last of Us Partie 2 où il y avait 4 ans d'attente. On se rappelle là, Hellblade. Au final, c'est soit on en parle trop et après, il y a beaucoup d'attentes. Soit on fait cette culture du secret pour justement surprendre le joueur
et faire plaisir aux joueurs finalement. Bah, tu sais, même les éditeurs ils croient plus vraiment à cette culture du secret puisqu'ils annoncent leur projet énormément de temps à l'avance. T'as vu Hellblade, comme tu as dit, c'était annoncé en décembre 2019. Oui, c'est vraiment mais The Last of Us Part 2, il avait été annoncé en décembre 2016. Oui, donc mais... tu sais, maintenant ils les annoncent hyper tôt parce qu'ils savent très bien de toute manière que ça va sortir quoi. C'est pas tous. Ouais. Il y en a beaucoup quand même. The Elder Scrolls 6 annoncé en 2018, il y en a plein, et comme ça Starfield aussi. Ouais, mais ça c'est pas, pour moi c'est pas une tendance à suivre, tu vois, parce que alors, certes après ils craignent les fuites et ils préfèrent peut-être prendre les devants. Apparemment c'est Troy Baker qui fait la voix de Indiana Jones. Oh punaise. Non mais il est partout celui-là, c'est pas possible. Mais tu sais il est un peu trop partout même maintenant. Tu sais je suis en train de me dire. Ouais, c'est ce que je tu dis, ouais, j'ai l'impression, j'ai l'impression d'entendre Joel. Super, je vais avoir l'impression d'entendre Joel quand je vais jouer à Indiana Jones, tu vois. Ah bon, après, moi je joue en VF, donc dans tous les cas, c'est. Et il n'y aura pas de VF. Mais... maintenant, j'ai l'impression que dans le doublage, je parle US, du coup, c'est vraiment devenu un petit milieu, quoi. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Il n'y aura pas de VF, tu vois. Ça m'étonnerait même pas que ce soit Laura Bailey qui fasse Gina, la meuf qu'ils ont annoncée, tu sais. Ah oui, voilà. T'as entendu, Mathieu ? Il n'y aura pas de VF, hein. Comment ça, il n'y aura pas de VF? Je voulais juste entendre son comment ça. Non, je déconne, j'ai non, pas vu. Non, mais après, s'il n'y a pas de VF, je fais avec, tu vois. Je suis pas full VF non plus, si c'est VOS. Donc GTA non plus, il n'y a pas de VF, Chris. Exactement, ouais, mais moi ça me dérange pas. GTA, ça serait... Et hop là, tu vois, il allait dire de la merde sur GTA, il a été directement coupé par Discord. Tu vois, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de hasard. T'as Mathieu qui dit, ouais, non, mais GTA, et bam, ça a été coupé, tu vois. Freeze. Ouais, Discord savait qu'il allait dire de la merde, tu vois, c'est un truc de fou quand même. Non, j'ai pas du tout dit de la merde, c'est juste que t'es un rageux et que comme d'hab, tu fais de la discrimination. Voyons, je vais essayer. The Last of Us Part 2, c'est trop de surhype. Voyons, j'ai été... Ah non, j'ai pas été... On a tout entendu, Thibaut, t'inquiète. Du coup, il y a un sondage qui a été lancé pour les viewers pour savoir si vous aimiez ou pas les... J'ai été censuré. Ouais, tout à fait. Du coup, je disais pour les viewers, il y a un sondage qui a été lancé pour savoir si vous aimiez avoir les programmes... J'ai encore été. Ah merde, j'avais pas de son, désolé. Bon, vous avez compris. Moi, je les viewers, démerdez-vous. Voilà. Bah, Chris, en plus, il parlait sans le son. En plus, moi, je me suis auto-censuré. Moi, je me suis auto-censuré. C'est quoi ce bordel là non, mais oui, il y avait le sondage, mais je me suis trompé. Du coup, j'ai voté oui, alors je voulais voter non. Donc voilà. Tiens, allez hop. Voilà, c'est le karma, ça. J'ai faussé le sondage. En tout cas, voilà, je peux pas vous dire quand sera le prochain rendez-vous parce que pour moi, on n'a rien. En général, en février, on a toujours Nintendo qui balance un truc. C'est un truc de fou. Dès que Maël y parle, et ça coupe. Hein. Comment tu fais bugger le live depuis le début, en fait, Maël. En fait, c'est toi, en fait. Vas-y, déconnecte-toi parce que c'est toi qui veux tout planter. On disait que c'était Discord qui buguait, mais c'est. Non, c'est Maël. C'est juste Maël. Mais du coup, oui, je peux pas vous dire quand est-ce qu'il y aura le 89e apéro du JV parce que pour moi, il n'y a pas de conférence d'annoncer. En général, en février, Nintendo, ils aiment bien communiquer un petit Nintendo Direct et un Pokémon Direct. Donc, on verra ça. Et donc, voilà, est-ce que tu vas faire... Non, là, c'est 22h10. Le temps de cut ce stream-là, relancer le stream The Last of Us, ça va être trop tard, les amis. Donc, on continuera la semaine prochaine. Demain, GTA RP. Demain, grosse session GTRP, on crée l'organisation avec Hoybeck, hein. ça va être complètement fou. Et donc voilà, je pense que sur cela, on va s'arrêter les amis. Merci à vous d'avoir été présents pour suivre ce développeur direct de Xbox. Et donc, est-ce que vous avez un petit mot de fin à dire? Pas mal, sinon tu vas à nouveau faire tout foirer avant la fin. Ben, je sais pas, moi pour ma part, ben, c'était sympa. Et puis voilà, l'année d'Xbox est quand même intéressante. Il y a quatre grosses exclusivités minimum. Donc, il y a Microsoft Flight Simulator aussi, donc 5. Donc, ça m'a l'air pas mal comme programme. Et puis, PlayStation, justement, n'ont pas trop d'exclus pour cette année, pour l'instant, en tout cas annoncé. Et Xbox, ben, ils ont l'air de positionner leur pion quand même. Donc, ça, pour l'instant, je trouve que le line-up de Xbox a de la gueule pour cette année. Donc, à suivre. Ils attaquent bien l'année. C'est vrai qu'ils attaquent bien l'année. Bon, PlayStation, ils commencent avec un remaster de qualité, mais un remaster quand même.
Du coup, Xbox qui enchaîne directement une bonne conférence. C'est vrai que pas trop d'exclusivité chez Nintendo non plus. On a Princess Peach en avril, Mario Luigi's Mansion 2 remaster dans cet été. Mais rien d'autre. Le mec a réussi à rajouter Mario dans Luigi's Mansion, quoi. Moi j'avoue. J'ai mis Mario. Non mais après Nintendo, ça sent un peu la ferme de la Switch. Je serais pas étonné que là. Et voilà, ça dit des conneries. La fin de Nintendo. T'as le Japon qui nous censure en mode comment ça la fin de Nintendo. Tu vas voir. Tu serais pas étonné pourquoi du coup censure. En fait, maintenant dès qu'il y en a un qui parle, c'est censuré. Je crois qu'on arrive vraiment au bon à la fin parce que c'est là que Discord part en couille. Tu disais quoi, Thibaut? Tu serais pas étonné que quoi? Mince. Donc, okay. On verra peut-être la prochaine console de Nintendo. Voilà, cette année, ça sent la ferme pour la Switch. Ah, je pense quand même. Hein. Ah, c'est bon là. Je pense, honnêtement. Je serais pas. Et pourquoi pas le prochain Nintendo Direct qui se font tout le temps en février? Et une sortie. Enfin, après, c'est compliqué parce que je vois pas la Switch sortir avant l'été. Et ça fait peut-être un petit peu tôt de l'annoncer. En février-mars pour une sortie la fin d'année. Bah, ils ont dit que pour le coup, ça c'est officiel, c'est quand ils annonceront la console, elle sortira presque dans la foulée, quoi. Donc, Ah ouais ? Ouais, ils ont. Alors peut-être pas dans la foulée, genre ça sortira pas le mois d'après, mais ils ont dit que ça sortirait très rapidement après par contre. Bah moi je serais pas étonné, annonce en septembre, sortie novembre. Allez. Ouais, moi j'aurais peut-être février et mai, peut-être avril-mai. Ah, je vois pas, vu qu'il y a encore des jeux, vu qu'il y a des remasters et tout prévus, il y a qu'à Princess Peach, je pense que ce ne sera pas premier semestre, je pense. Après, c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, donc septembre-novembre, c'est faisable aussi, ouais. Je suis sûr qu'ils lanceront leur prochaine console avec un remaster de Tears of the Kingdom pour qu'on ait enfin un Zelda qui est beau. Voilà. Et surtout un Mario Kart 9 qui va arriver et qui va braquer Noël. Ouais, ça, non, Mario Kart 8 Ultra Deluxe, histoire de. Et Super Smash Bros Giga Ultimate aussi. Ouais. Ah. Je pense que c'est ce qu'on peut s'attendre. Bah écoutez, les amis, quoi qu'il en soit, s'il y a des annonces, s'il y a des conférences PlayStation, Xbox, Summer Game Fest, etc., on suivra ça ensemble. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Merci pour ceux qui étaient là dans le chat. Merci aux invités. Et sur cela, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et rendez-vous dès demain. 20h pour la suite de la saison 2 de GTA RP. Salut à tous. Ciao. Bonne soirée. À tout le monde. Salut. Salut.